Hello tout le monde, bienvenue dans mon nouveau vlog. Je suis super contente de vous vlogger ma journée. Ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué. J'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Je dois faire les courses pour ce soir parce qu'on est en pleine période de Ramadan. Et j'ai aussi des produits à vous montrer, donc de la marque Rivadouce. Ah oui, et j'ai aussi beaucoup de rangements à faire, hein, des fringues de Milan. Donc je vais les ranger, puis je vais aller faire les courses. Bisous! Alors voici les filles, les produits donc de la marque Rivadouce. Donc je les ai snappés, hein, vous avez dû les voir. Donc pour toutes celles pardon qui me suivent pas, ajoutez-moi sur Snap les filles, hein, je fais vraiment plein de choses. Je montre ma petite vie et je montre aussi les produits que je reçois. Alors mon Snap les filles, c'est Lia92. Donc revenons donc sur mes produits. J'ai reçu ce parfum pour Mila, honnêtement, il sent trop bon. Il est hypoallergénique, sans alcool. Moi, c'est vraiment très important pour moi maintenant que les produits soient au maximum sans alcool. Avant, je faisais pas attention, mais là, je fais vraiment attention. Le parfum a une légère odeur, hein, il est vraiment pas très fort. Quand je mets à Mila, je trouve que ça la rafraîchit. Elle sent trop bon, le bébé. Et pour l'huile de massage, bah, toujours hein, 99% d'origine naturelle, hein, sans produits chimiques. Hein, Regarde Guigui, les maillots de bain, oui, oui. Guigui, oulala, oui. Ces petits maillots, hein. Summer, gonna spend it like no other. Alors voilà le bazar que Mila m'a fait. Je vais ranger toutes ces petites poupées, hein. Et encore, elle n'a pas que ça, hein. Il y en a encore plein dans la chambre du frère, etc. Il y en a vraiment un peu partout. Ah oui, je voulais vous montrer la nouvelle table que j'ai achetée donc pour Mila. Donc c'est une table d'éveil de la marque Lumi. Honnêtement, je sais même plus c'est quoi la marque. Ah, Clementoni Baby. Donc c'est une très bonne marque pour les jouets, hein. Au début je voulais acheter Vetech, mais bon, j'étais un peu réticente pour Vetech parce que j'ai acheté des jouets et il y a des jouets de la marque Vetech qui se sont arrêtés, donc j'ai pas préféré racheter de la marque Vetech. Donc comme je vous disais les filles, la table d'éveil Clementoni est vraiment très bien. Honnêtement, Mila l'adore, elle joue beaucoup avec, elle se met debout, elle touche la table, voilà, ça l'éveille vraiment. Ensuite, en nouveauté donc de jouets, j'ai pris à Mila des petits cubes, enfin des jouets à forme, donc des cubes, des triangles, des étoiles, donc ça c'est vraiment super bien. Donc pour réveiller votre bébé, donc de la marque Fisher Price. Putain, il est tombé. Donc comme je vous disais les filles, la table Clementoni, elle est vraiment très bien, la table d'éveil pardon pour les bébés. Mila l'adore, elle joue tout le temps avec, comme elle se met debout, voilà, ça éveille super bien bébé, je vous la recommande. Ensuite je lui ai pris aussi ce jeu là de chez la marque Fisher Price. Voilà, donc c'est toujours des jeux d'éveil, hein, comme elle a vraiment l'âge, c'est à ce moment là qu'il faut l'éveiller au maximum. Donc voilà, elle aime beaucoup ces jeux-là. Hein, d'ailleurs, ils y sont plus. Hein, les a perdus. Elle joue tout le temps avec. Ensuite, j'ai eu la visite de la tante à Mila qui m'a joliment offert cette petite robe donc de chez Primark. Elle est vraiment trop chou. Elle est bleu marine, hein, avec des petites fleurs. Elle est rayée avec un petit nœud sur le côté. Elle va être vraiment trop chou. Donc si tu passes par là, ma chérie, merci beaucoup pour ton cadeau. Gros bisous.
validé, validé, j'suis validé, t'as pas idée. Connais-moi les stades de France. J'vais allumer le feu. Comme Johnny Hallyday, Hallyday, j'suis validé, t'as pas idée. Connais-moi les stades de France. Si tu veux que la terre tremble. Le 9-3, c'est chaud, voilà, je suis rentrée de mes courses. Je voulais vous parler de ma nouvelle sorbetière donc, que j'ai achetée à Action. Dites-moi les filles en commentaire si vous voulez une vidéo crash test où je la teste en live. Je serais vraiment ravie de vous la faire. Elle est vraiment trop trop chou. Donc voilà les filles, maintenant je vais aller faire à manger. Je vous propose de me suivre. Alors juste avant les filles, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris hein, pour Mila en revenant de Carrefour. Alors j'ai pris plein de petites choses, hein. il me manquait à manger pour Mila. Donc j'ai pris des petits bracelets. Elle adore les petits bracelets de Nestlé. Donc j'ai pris framboise, j'ai pris de la poire aussi. J'ai pris également banane, donc ça c'est vraiment ses préférés. Je lui ai aussi pris des blédidej croissance de la marque Blédina, hein. Ça, j'en prends souvent quand je le mets dans son biberon. Elle aime bien ça aussi. Je lui ai pris aussi Nestlé Petit-Déj Banane. Oui, donc de Nestlé. Donc, qui est juste ici. Et je lui ai pris aussi du salé. Il me manquait du salé. Hein, donc, je lui ai pris donc, de la marque Blédina Petit Pois à la Provençale. Voilà. C'est pas mal. Hein, j'ai déjà goûté. Je trouve ça pas mal. J'ai pris aussi de la marque Hip Bio, crème de légumes à la coquillette. Voilà, des fois je les achète séparément ou des fois j'achète en lot. Ça dépend. Et je lui ai aussi pris, donc là je lui en ai donné un, donc c'est mon premier biscuit. Donc moi ce que je lui fais à Mila, c'est que je le mets en morceaux avec du lait et je le mets au micro-ondes et je le mets en bouillie et voilà, donc c'est vraiment très très bien pour elle, hein. C'est vraiment à partir de 12 mois qu'il faut leur donner des boudoirs. Après ça dépend, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas c'est marqué sur la boîte que dès 12 mois à croquer si bébé est prêt. Et je lui ai aussi pris des compotes Blédina, pommes, fraises, bananes, pommes du verger. Voilà, je vous donne un petit peu de tout. Les filles, j'ai fait vraiment beaucoup de courses hein, pour Mila. Je ne vais pas vous montrer hein, tout ce que j'ai. Hein, voilà, c'est tombé dans le sac. Je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai hein, parce que c'est un peu pareil. C'est parti, je vais aller faire à manger. Donc voilà les filles, je suis en train de préparer les ingrédients pour faire des brochettes à la crevette. Là, Mila, elle mange. Je vais vous la montrer. Ah. Qu'est-ce que tu manges là, Mila? Mamie, elle te donne à manger ?
30. Bon voilà les filles, Mila n'est toujours pas couchée parce qu'elle est malade. Donc du coup elle reste avec moi. Et voilà, donc je vais déshabiller Mila. Donc là il est tard, oui, il doit être dans les alentours de 21h. Donc Mila m'a complètement éclaté ma table à ranger. J'ai beau la ranger, mais Mila l'éclate tout le temps. Et elle fait des bêtises en plus de ça. Elle touche à tout, ma bébé. J'ai beau lui donner des choses pas dangereuses ou des jouets. Mais non, elle veut les choses les plus dangereuses, Mila. Donc, allez, c'est parti. Donc, du coup, j'ai pris la douche de Mila ce matin. Là, je ne vais pas la doucher, comme en plus, elle est un petit peu malade. Donc, je vais juste lui faire une petite toilette. Lui changer la couche aussi. Et la nettoyer avec l'eau de chez Rivadouce. Toujours je lui fais un massage avant d'aller au lit, donc pour l'apaiser, surtout pour nourrir sa peau aussi également. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Oh, tu te lèves, hein? Eh bah bravo, Mila, bravo. جرى علي الفراق وصادني في البين وملق قلبي الغرام ودخل خل بالي